Allez, go. Bonjour, monsieur. Tiens, 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 qui voit l'âge? Bonjour, monsieur, sautez un peu, s'il vous plaît. Il est beau, votre camion à glace? Ouais, c'est celui de mon employeur. Vous allez bien, monsieur? Très bien, vous? Ça va, ça va. À tout hasard, vous connaîtriez de... Des pastilles pour la gorge? Ah, peut-être, oui. Au miel? T'es beau, Michel. Tenez, je vous en donne une. Sucez-la bien. Hein. Non, ouais. J'ai plus de numéro, tout pas mal refiler le tien. Merci, non. Merci bien. Ouais, merci. Voilà, vous la sucez là. Voilà. 15,50. Donc, je vous écoute. Vous connaîtriez par hasard le patron des taxis? Non, on le connaît pas. Non, ça me dit rien. Ça te dit quelque chose, toi? Non, on l'avait vu. Ça me dit rien. Ah, ok, d'accord. Non, bah voilà, c'était juste pour savoir. Oh, savoir s'ils engageaient à tout hasard. Ouais, bah, il aurait posté une annonce. Ouais, je pense, ouais. Bon, c'est logique. Tu penses? Pardon? Moi, je pense que... Ouais, moi, je pense que c'est logique, moi. Ouais, moi aussi. Et toi, tu penses que c'est logique? Moi, je pense que c'est logique. J'imagine que tu penses... Est-ce que tu moi, penses que c'est logique sur... Moi, je pense que c'est logique. Je sais pas de quoi on parle, mais ouais, c'est logique. Non, ok, d'accord, bah voilà. Comme le boulot d'intérimaire, c'est pas top, je démarche un petit peu. J'ai été voir les mécanos hier. Ah, on comprend bien, mais je pense qu'à mon avis, il y aura une annonce quand ils recruteront. Ouais, je pense que c'est logique. Ça va, mais je postulerai à ce moment-là. Merci. Allez, passez une bonne journée. Au revoir, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est quoi le numéro de monsieur Garagan? BCSO, oh putain. Allez, tu travailles avec nous avec Aladdin ou pas? Bah oui, je suis... Bah mets-toi en tenue et vas-y, allez, ça fera un peu d'argent parce que t'as tout perdu. Ouais, d'accord. C'est quoi votre numéro, monsieur Garagan? 3017. 3017, ça m'a plaisir. Allez, mets-moi où c'est. Y'a plus de ceinture, ça va bien. C'est normal. De toute façon, ça sert à rien. Oui, exactement, dis-moi où c'est. Non, c'est normal, j'ai fait une demande au gouvernement. Le problème, c'est que les ceintures se bloquent trop. Oui, c'est pour le trajet vers les BCSO, vous avez appelé un taxi? C'est pour les... Eh oui, bah écoutez, je vais oui on a appelé un taxi, mais... Mais bah alors, je croyais qu'il avait un problème de corde vocale, lui. Bon, on l'a plus. Ouais, putain de merde. Ah, il y a des demandes de taxi partout, putain. Ouais, tu fais quoi dans ton bureau, là? Je me branle et après, j'irai à la salle de sport. Non, ça commence à me plaire, ça, tu m'inviteras. Hein. Bien sûr. Et je suis en train de mettre en place une table avec un petit plan de la l'île. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui peut éventuellement Est-ce que t'es d'accord? Bah, moi je pense qu'on est d'accord et qu'on est sur la même longueur. Ouais, tout à fait, je comprends. Ouais, il te dit... Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Allez. Let's go! On va essayer de trouver quelques petits yankles, histoire de monter l'argent dans le porte-monnaie, qui est d'ailleurs de combien? Argent 512, c'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Bonsoir. Bonsoir, vous avez appelé le taxi? Ouais, ce serait pour aller des agents immobiliers au LSMS. Ok, j'arrive tout de suite. Merci, monsieur. Il y a un lit et tout. Hein. Hop. Ah, je te rappelle. Ça va? Ouais, écoute, je te fais des bisous. Bisous. Ah, madame la directrice, il va falloir qu'on se parle. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Bien et vous? Pourquoi il y a un écho dans une de vos têtes là? Je sais pas laquelle, mais ça commence à me faire bouillir. Ah, c'est la mienne, à mon avis. C'est toi, David. Bon, bah, je vous parlerai pas. Madame la directrice, montez un coup là. Pardon? Montez avec nous. Vous allez pas me mettre dans le coffre? Mais non, mais montez derrière. Ok. Moi, je vous dépose où, monsieur, vous avez dit? À l'hôpital, s'il vous plaît. Bon, madame la directrice, j'ai un petit problème. Dites-moi. Va falloir nous rembourser les deux derniers jours. Vous avez réussi à inverser les villas, alors que pourtant j'y étais clair. Ah oui, mais excusez-moi. Oh là là, j'ai inversé les villas. Ah oui. Putain, quel con. Conne, ah, madame, si je peux me permettre. Vous savez ce que c'est un con? C'est une conne au masculin? Non, vraiment, vous savez pas ce que c'est un con? Une conne au masculin? Dans le dictionnaire, la définition. Ouais, bah dites-moi. Merci. C'est ce qui désigne le sexe féminin. Ah, très bien. Je vous paye non, comment, monsieur? Vous ne devez rien. Et attendez, vous travaillez à l'agence immobilière? Non. À l'hôpital. Attendez, vous me devez quelque chose alors. Ah, vous avez pas de chance. Ça aurait pu être gratuit. Ah merde, je réfléchirai la prochaine fois. Bah non, parce que sinon le tour. Vaut mieux pas pour vous. Ah, ok. Voilà, vous avez le reçu. Merci, de rien. Allez, montez. Ça marche. Ah, je suis désolé, non, si je me suis bourré. Bon, après, y'a pas mort d'homme, hein, comme vous m'avez dit hier. Non, mais y'a remboursement par contre. Ouais, Johnson. Ouais, mon petit Jameson, je suis avec madame la directrice qui a réussi à se tromper alors qu'on a... Ah, bah justement, j'allais appeler monsieur Fridge, là. On m'avait dit qu'il n'y avait pas mort d'homme. Attendez, remboursement, non mais... Tu viens, s'il te plaît. Vous êtes mes clients les vas-y, plus capricieux de la ville. Voilà. Est-ce que vous pouvez me déposer à la fourrière? Non, j'ai ma voiture. Ah, vous avez votre voiture, mais attendez, on va reparler à l'agence immobilière. Hein. Ok, bah tout à l'heure, alors vous pourrez me parler devant. Ça fait combien de... Vous me devez combien? 1 200 $? Ah non. Et 1 200 $? Ah, si. Ah non. Si, il va falloir que vous compreniez ça. Non, je vais vous faire le changement de plaie, y'a pas de soucis. Ah non. Ah mais si. Ah non. Je crois que vous avez pas bien compris les choses.
Si, j'ai très très bien compris. Non mais attendez, vous foutez de moi là, par contre, je fais pas. Non, mais pas 1 200 $. Attendez, vous vous rendez pas compte de ce que c'est là? Vous m'avez donné les clés, bah c'est 2 jours de salaire et je suis désolé, c'est 2 jours de loyer pour une maison que j'ai pas eue, madame. Donc va falloir les payer, ces 1 200 s'il vous plaît. Parce que moi j'ai été retiré, hein. On m'a retiré les 1 200 hein, de mon compte. Hein. Ça pour ça vous êtes à l'heure, mais par contre donnez les bonnes clés, y a plus personne. Hein. Voilà, vous commencez à comprendre ou pas? Ah non mais je comprends. Voilà. C'est pas 1 200 $, non mais attendez. 1 200, bah c'est 2 jours. 2 jours où on n'a pas eu. Regardez qui voilà en plus. Attends. Ah bah voilà, j'allais demander un taxi en plus. Vous pouvez descendre du taxi par contre? Ouais, parce que là, t'as pris le volant là sans pression. Hein. Ouais. Allez-y, j'attends. Attendez, je me travaille pas avec 1 200 $ sur moi, venez. Enfin, attendez, j'ai pas dit que j'acceptais déjà. Non, mais vous avez pas. Ah, ma petite dame, vous avez pas trop le choix en fait. Non, mais attendez, je vais pas bouger. Non, attends. Alors, on a pas eu les bonnes clés, putain. Bonsoir. Mais je vais vous faire l'échange. Alors, combien elle nous doit, Jameson, combien elle nous doit là? Parce que. Au moins, alors écoutez-moi bien. Au moins 600. Non, y'a pas de 600. Ah, si, elle a raison, 600 chacun. C'est 600. C'est 600, mais attendez. C'est deux jours qu'on a payé. Ah, c'est 2 jours. Vous avez payé un jour, étant donné que je vous ai remboursé. Vous vous foutez de moi ou pas? C'est quand qu'on s'est parlé, madame, la dernière fois? Bah, hier. Non, avant-hier. Non, c'est pas parlé avant-hier. Hier ou avant-hier? On s'est parlé avant-avant-hier. Oui, bonsoir. Avant-avant-hier? Oui. Ouais, je sais pas, j'ai pas de notion de temps. Venez avec moi, Bobby. Moi, j'ai reçu votre contrat, j'ai la date et c'était avant-avant-hier. Comment vous avez réussi à vous tromper alors que j'ai été pourtant très clair et précis? Non, attendez. L'erreur est humaine. Et puis, y a pas mort d'homme, hein, comme vous m'avez dit hier. Non, bah si. J'ai des clés qui m'appartiennent pas, putain. Bien sûr que l'erreur est humaine. Ça va, c'est votre frère. Non, c'est pas que mon frère. Vous savez pas ce qu'il fait dans ces maisons. Et moi non plus, il sait pas ce que je fais. Oh. Vous savez que c'est une grave erreur, ça, madame. Hein. Vous osez faire ça à 2 directeurs? C'est la débandade, hein. Je te le fais pas dire, mon petit Jameson. En effet, c'était le 3. C'est moi ou la déco a changé depuis la dernière fois? Oui, la déco a changé. Alors, vous préfériez avant ou maintenant? Bah là, c'est pas mal. J'adore tout ce qui est bois, arbre, ouais, moi, bah, j'adore tout ce qui est 1 200 $. Donc, Mais 1 200, ça fait 600 et 600. Mais elle fait exprès ou quoi? C'est 600 par jour. Je viens de te dire que ça fait 3 jours. Le calcul dans ta tête, ah bah, ça fait combien? Ah, c'est bon. Enfin. Ah, ça y est. Excusez-moi, je suis dyscalculique. Évidemment, est-ce qu'on paye ce soir parce qu'on a toujours pas notre maison? Non, bah ça fait 1 800. Alors, par attendez, bah vous savez quoi? On va parler pendant 15 minutes et on va attendre 22h01. Ouais, ça fera 1 800. Donc, attendez. Non, vous rigolez ou quoi? Bah non, parce que je vais vous les enlever. Parce que j'ai toujours pas les bonnes clés. Mais parce que je vais vous les enlever et vu qu'on va attendre 22h01, je vous devrai toujours que. Bon, non, essayez pas de nos carottes. Écoutez, madame, j'ai pas envie de vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous nous prenez un peu pour des salopes. Moi, j'hésite, hein. On a négocié un contrat. Maintenant, s'il vous plaît, vous nous devez 1 800 pour les 3 jours et on n'en parle plus. Et voilà. En 1002, étant donné que le premier, vous avez pas payé. Le premier, après, il y a eu le lendemain, le surlendemain, il y a aujourd'hui. Et je vais pas payer. Mais aujourd'hui, vous allez pas payer. Bah si, à 22h, ça tombe. À moins que vous l'enlevez à temps. C'est pour ça que je vous dis ça, moi. Et bah enlevez-le et donnez nos 1 200 par personne, s'il vous plaît. Avec le sourire. Avec le sourire et un petit bisou, d'accord? Oh! Attendez, 1 200 chacun? Non, bah, essayez pas de nous la faire. Bien sûr, ce sont. Sinon, on peut parler de votre queue de cheval. Oui, j'adore. Très bien entretenu d'ailleurs. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qu'elle a, ma queue de cheval? Qu'est-ce que vous voulez faire à ma queue de cheval? Bon, on adore. On vous demandait si vous aimiez les queues de cheval. Vous adorez les queues de cheval? Bah, la preuve, j'en porte une. Donc, vous aimez ça? Ah, moi aussi. J'adore ça. Voilà, d'accord. Nous aussi, on adore les animaux. Et on en porte une aussi. Et on en porte une aussi. Ah, c'est bizarre, je la vois pas. C'est normal. C'est normal. Pas en public. Bon alors, les 1200 maintenant, s'il vous plaît. Les 1200, il y a 22h. Oui, j'ai compris, monsieur Magalagan. Oh là là. L'argent pour vous, c'est sacré. Pour moi, ça l'est encore plus, sachez. Bah oui. Et vous m'agacez, là. C'est pas possible. Vous êtes en train de me ruiner. Arrêtez. Vous savez, on mourra pas avec l'argent, hein. Allez, venez vers moi. D'ailleurs, j'aurais besoin de vos services, monsieur Clark. Attendez de nous redonner notre demeure à 22h, s'il vous plaît. Voilà. Oh. Business is business. Vous l'avez dit vous-même. Ouais. Oh, j'ai pas dit ça grand pour moi. Mais business is business. Ils sont où mes levées? Ah, voilà. Ils sont là. Eh ouais. Eh, mais 1200, c'est combien de bonnes queues de cheval, ça, dites-moi? Ah, j'en ai aucune idée, vous allez me le dire. Moi, j'en ai une bonne idée, moi. Oh, ah bon? Oh, ouais. Oh, oui. 1200, allez, c'est soit plein de petites queues de cheval, soit une bonne grosse queue de cheval. C'est de l'argent, hein, mine de rien. C'est pas n'importe quoi, hein. Ah bah attendez, je l'ai senti passer, là, les gars. Bon, on va attendre 22h et vous vous trompez pas cette fois-ci, hein. Non, je me tromperai pas, c'est promis. Mettez-nous un truc sympa, là. Bon, faites-nous une petite danse. Oh. Non. Allez, montrez comment l'agence immobilière est danse, s'il vous plaît. Non, ça va pas ou quoi? Bah, tu veux que... Moi, je peux vous en faire une danse. Ah bah oui, carrément. Allez, venez. Allez-y. Attendez, je m'assois à côté Jameson, de... Jameson, il la connaît par cœur, il m'a déjà vu danser. Vas-y, venez. Vous êtes droitière ou gauchère, Alana? Vous êtes
prêt ou pas? Pourquoi vous me demandez si je suis droitier ou gaucher? Vous êtes prêt ou pas? Pour savoir si vous mettez à gauche ou à droite. Je suis droitier. Alors attendez, par contre, c'est un spectacle. Regardez, il me faut un peu de partie. Je suis bien, je suis bien. Voilà, regardez-moi par contre, s'il vous plaît. Attendez. D'accord, c'est parti. C'est vraiment parce que c'est vous, mais après, vous me faites une danse aussi. Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'est pas un concours. C'est plutôt non. Voilà, mon petit Jameson, ça tu la connais celle-là. Ouais. Là, je t'imagine rousse avec une queue de cheval. Hein. Voilà. Vas-y. J'adore les queues de cheval, hein, je l'ai dit. Oh merde. Oh, fallait, on écarte. Il y a un article à mettre dans Breaking News là. Voilà, regardez, regardez. Venez, vous approchez-vous de moi. Regardez. Coquine. Oh. Voilà, regardez-le celui-là. C'est famille, on s'est dansé nous. Hein. Ça m'excite, ma chérie, tu es tout en V aujourd'hui. Darling. Faisons l'amour ce soir. C'est la beauté. Oh putain, je tends mon cul là, j'ai envie de prendre ma part. Oh là 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 là. C'est bon, vous avez compris ici comment ça se passe dans la famille ou pas? Ouais, j'ai compris, ouais. On est ouvert d'esprit, Alana. On est open-minded. Très open. Voilà. Open-minded. Bon, allez, il est quelle heure avec ces conneries là? Oh putain, il reste 7 minutes. 7 minutes des... Dansez encore pour moi. Vous avez des maquettes là ou pas? Ah, c'est pas mal ça pour jouer à Donjons et Dragons. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est une belle maquette ça. Hein. Ouais, ça j'adore. Hein. Ouais, j'entends, hein. J'entends. Non. J'hésite un peu, Boloco. Hein. Non. Boloco là. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas visiter comme ça? Mais là, vous avez du client là. Bah attendez, mais qui c'est qu'on a là? Et vous pouvez pas visiter. Mais qui c'est qu'on a là? Voilà. Ah, je croyais que c'était. C'est pas lui. On s'en va. Ah, oui, c'était Gino. Ah, d'accord. Désolé, monsieur. Hein. Ouais, c'est pas lui. Ouais, non. Ouais. Coca-Cola. The White Radio. C'est 3$, ça va. Ouais, je viens de sortir du BCSO, là. Excusez-moi. Par contre, le client qui devait monter la route, et du coup, il y a le shérif Berami qui m'a filé un petit topo pour ce qui s'était passé avec moi. Wow, c'est quoi ça? Et il m'aurait récupéré, en fait... Christoul. À poil, Christoul. Avec le doigt en moi, derrière, derrière un magasin du côté de Sandy Shore. Donc dans le secteur où j'étais. Mais après, il m'en a pas dit plus. D'accord, t'avais pas d'alcool dans le sang. Vivant. Mais parce que visiblement, non, apparemment. T'as pas de drogue. C'est à cause de ça. Non, récupérez ça. Ça ressemble à ça. Et vous êtes vraiment une salope. Bah, oh, moi je vous insultais pas, donc. Allez, votre poulet vivant, il sera dans votre appartement et laissez-le en liberté. Bon, allez, parlez-nous de l'article et donnez-nous nos maisons et on se casse. Et je ok, hein. Du coup, et il reste une, la villa la plus chère à louer ou à vendre. Et du coup, j'aurais aimé que vous me fassiez un petit breaking news. Il reste une villa, c'est ça? Il reste une villa et non, un grand bureau comme celui-ci. Ok, donc un villa et un... il reste un... une villa et un bureau. Ouais. Je m'en occupe tout de suite, Alana. Il faut mettre les prix peut-être, non? On s'en... Enfin, non, on va pas faire fuir les gens. On dit juste qu'il reste qu'une villa et un bureau. Bien sûr. Ils vont venir. Après, vous faites votre charme et puis voilà. Ok, ça marche. Là, en parlant de charme, vous pouvez nous donner nos villas, s'il vous plaît, à 22h01. Il est quelle heure, là? Il est 22h, pas une. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous demander là, tiens. Non, qu'est-ce que c'est? Non, mais hey, c'est pour la villa là, écoutez, c'est vrai là, parce que je suis à deux doigts de bouillir. Bon, je veux l'acheter, donc vous savez quoi, tous les loyers ça va être à crédit. Quoi? Vous déduirez ça du prix de la villa. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. Non, ah, si. Non, mais non, je vous l'achète, non. Je l'achète. Mais oui, mais vous me l'achetez, mais je peux pas déduire le prix du loyer sur le prix de la. Non, je peux pas faire ça. Si, c'est soit vous louez à crédit, je vous l'achète à crédit. Vous voyez ce qui vient d'apparaître là dans vos yeux là? Bah oui, mais ça c'est le business. Je vous l'achète à crédit, vous déduirez ça. Écoutez, monsieur, vous pouvez vous écarter s'il vous plaît? Oui, y a pas de problème. Bon, on va faire clair. Ce que j'ai mis dans ma poche, d'accord? J'aimerais pas l'utiliser. Voilà, juste ici là. Maintenant, je vous dis gentiment, je l'achète. Je prends juste un crédit, c'est-à-dire que le loyer, c'est à crédit. Une fois la somme complète, c'est à moi. Ça fonctionne pas comme ça. Si, ça fonctionne comme ça. Je suis allé à la banque, ça fonctionne comme ça, madame. Non, ça fonctionne pas comme ça, non. Ça fonctionne comme ça, vu. Non. Jameson, explique-lui comment ça fonctionne. Ouais, écoutez, c'est très simple. Dans les lois en vigueur qui sont régies dans cet établissement, bien sûr, dans cet état, nous avons le droit de défalquer les loyers payés pour et un prêt immobilier. Et déféquer aussi, aussi, tout à fait. Donc, c'est ça ou on fait un viager? Vous savez ce que c'est un viager? Un viager à votre mort, ça nous appartient. Ça, c'est exactement. Dommage qu'il vous arrive un accident demain. Exactement, mais bon... C'est des... Non, mais c'est des menaces, là, concrètement. Non, bien sûr que non. Non. Je dis juste que ça serait dommage. Ah oui, ça serait dommage. Donc, bon, paragraphe 6, à 4. Et ça... Putain, mais vous perdez rien. Vous toucherez l'intégralité de la somme, finalement, vu que je paye tous les jours. Il est où le problème, en fait? Expliquez-moi, il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de payer
Un crédit, c'est quoi ces conneries? C'est comme un leasing. Mais parce qu'un crédit, quoi, faut demander à la banque. C'est pas moi, moi je suis pas une banque, moi. Ok, bon voilà ce qu'on fait. Parce que là, vous commencez à me casser les couilles. On vous le loue là. Vous allez nous remettre nos clés. Et cette fois-ci, dans l'ordre, hein. J'irai prendre à la banque dès que ça ouvre. Dès que je peux parler à la banquière. Et puis je prendrai un crédit, je viendrai vous l'acheter. Par contre, les petits loyers que je vous donne entre temps, vous les déduirez. Je peux vous donner ce même, petit service. Mais non, parce que j'aurai une réponse dans les jours à venir. J'aurai pas une réponse dans 20 ans. Ce sera plus simple. Voilà, vous aurez la somme globale dans les jours à venir. Et moi, j'ai quoi si je vous fais ce petit service? Une pipe. S'arrange. Oh. Une quoi? Une pipe? Quoi? Oui, une pipe. Ah, une bonne pipe en bois, du bon tabac? Bonne grosse pipe. Avec du bon tabac dans ma tabatière. C'est vrai? Oh oui. Moi, je vais faire un crédit. Hein. Vous voyez, moi, je vous vends des crédits s'il faut. C'est pas possible, mais vous. Attendez, bon, attends, il est quelle heure là? Il est 22h01. Hop, vous nous devez 600$. Ah non, justement. Allez, c'est bon, donnez-nous les établissements. Et cette fois-ci, vous gourrez pas, putain. Je crois qu'elle nous déteste. Ah, la foot, c'est pas ma pote. Là, faut attendre un petit peu. Bien sûr. Et pour cet accord-là, enfin, c'est pas un accord déjà. C'est pas un accord. Ouais, vous l'avez dit, c'est pas un accord. C'est acté devant le directeur des journaux. Vous êtes en train de me dépouiller là. Mais on concrètement, vous êtes en train de. Vous imaginez. Oui, j'entends, mais j'entends. Mais oui, mais je vous écoute, vous écoutez un peu trop. Putain de dollars. J'entends. Et s'il y a quelqu'un qui vous embête ou quoi, vous êtes dans un service, vous nous appelez. Vous voyez votre front là? Hein? Mon quoi? Votre front. Il y a déjà des gens qui ont fait des claquettes sur votre front ou pas? Des claquettes? Des claquettes. Non. Vous voulez savoir ce que ça fait quand on fait des claquettes sur votre front? Non. Voilà. Bon, on peut y aller maintenant, s'il vous plaît. Vous pouvez nous remettre les papiers. Non. Pourquoi? Attendez un petit peu que l'employé finisse. 2 secondes, je regarde un truc. Ouais. On perd du temps et de l'argent, madame. Non, bah c'est moi qui perds de l'argent, là. Bah moi aussi. Et moi, c'est un taxi qui est pas dans la ville, en attendant. Ouais, j'entends. C'est ça. Et moi, je suis à la recherche de Breaking News. D'ailleurs, j'en ai fait un. Ah oui? Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous pouvez aller chercher les papiers, parce que vraiment, je vais pas passer ma soirée ici, quand même. Bon, écoutez, vous attendez que le monsieur derrière, il finisse. Ah, mais on a un rendez-vous, là. On va l'aider à finir. Arrêtez de faire des scandales. Non, mais c'est pas possible, mais vous êtes pas tenable. On va le faire finir. Oh là 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 là. Eh, monsieur Malagalagal, arrêtez. C'est bon. C'est bientôt fini, ça y est, c'est signé. Mais capricieux. Impeccable. Et bah, c'est parfait, tout ça, notre tour. Vous attendez, on m'appelle. Du coup, au revoir. Oui, bonne. Bah, j'espère que vous serez content. Et puis... Non, ça va être. Non. Bon, écoute, il y a ton patron qui fait que de me suivre là. Lana, il faut aider votre collègue, il est perdu. Ouais, parce que du coup, il s'est plus affiché sur le logiciel pour savoir lesquels ils étaient. Il fallait inverser. Je te laisse t'en occuper du coup, Lana. Ouais, capricieux qu'il est ton patron. C'est bon, à nous. Allez. Alors, si je me trompe pas, j'avais mis la 45 et monsieur McGallaghan. Donc, monsieur McGallaghan veut la 44. C'est bien. Voilà, c'est bon. Allez, c'est à toi. Merci bien. La place est chaude? Non, oui. Et ben voilà, j'ai loué une propriété pour 600$. Bah moi aussi. Allez, on peut y aller. Attendez, on va vérifier. Hein. Et ben merci. Là, il y en reste plus. On vient commercer ensemble. On vient juste de la fin. Voilà. Voilà. Qui voilà. Bonsoir. Tiens. Ça va quoi? Encore what? Vous allez bien, brique de lait? Ah ouais, ça va. Bah oui, ça va. Putain, vous êtes sexy et raffiné, hein. Je vous baiserai bien. Allez, venez voir, s'il vous plaît. Écartez-vous, s'il vous plaît. Attends. Ah, on a un bon morceau de viande, hein. C'est du gigot retour depuis. Bon, vous allez bien, ma petite brique de lait, putain? Bah oui, ça va bien, et vous? Bah ouais, je vois que ça prend des véhicules, ça met du maquillage, des petites lunettes, ça commence à se faire coquet là! Ça me fait plaisir! Ouais, bah des fois on se rhabille un peu, commence à faire un peu plus frais, donc. Tiens, attendez, reculez un petit peu s'il vous plaît, venez. Ouais, je fais comme si j'étais chez moi. Non, venez. Dites voir, vous faites quoi là en ce moment là dans la ville? Ah bah pour l'instant, je suis dans l'événementiel. Après, vous êtes dans l'événementiel. Un autre projet. D'accord. Ouais. Et bien quand ce projet? Bonne question. Et c'est quand? Excellente question. Enfin, c'est quoi, pardon? Bah, c'est pas encore officiel, donc je l'annonce pas vraiment, mais. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe? C'est au gouvernement que ça bloque un peu? Ouais, je pense. Bon, mais on va essayer ça de régler devrait ça. Pas tarder, je pense. Vous savez, moi j'ai le bras long. En fait. Regardez mon bras. Regardez. Oh là là, ce bras. Ça, j'en ai jamais vu un comme ça. Ça, c'est voilà. Oh bah, ça s'en est un long. Voilà, ça, c'est un bras long, ça. Bon, je vais mettre des petits coups de pression et je vais voir. Mais par contre, vous savez quoi? Envoyez-moi un mail au directeur. Johnson McGallaghan Discord, vous me dites votre projet. Okay, et comme ça, je vais pousser un peu auprès du gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, très bien. Faire en sorte que vous l'ayez dans les 48 heures. De vous à moi, c'est une banque. On reprendrait bien une banque avec John. Vous voulez faire un braco, putain? Non. Ah, prendre putain. Une banque. J'allais dire, attends, les briques de lait, prends une banque. Elle ne m'appelle pas, ça va pas du tout, ça. Ah, parce que vous prenez des banques? Vous en savez déjà peut-être un peu. Bon, écoutez, vous voulez devenir quoi? Directrice de banque?
Oui, ça. Oh putain, et ça, c'est un bon boulot. Ça, ça rapporte, ça, des pétasses. Hein. Ah bah, oui. Ça va s'entretenir un peu. Hein. Très bien. Bon bah, écoutez, on va essayer de me renseigner. Putain, j'ai envie de me battre là. Oula, ouais, ouais, ça, ça, vous avez d'air. Désolé, mais des fois, là, j'ai envie de me couraver comme ça. Ça c'est... Ok, quand j'ai des projets comme ça qui m'émoustillent. Ouais, ouais, ouais. Très bien, bah, bon, je monsieur Magalagan, c'est pas le tout, mais faut qu'on y aille. Et faut qu'on aille où? Ah non, elle va pas me casser. Ah bah, si, c'est pas fini. Non, 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 si, c'est fini. Ah non, non, c'est pas fini. Non, mais c'est fini, je vous assure. Ah non, 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 c'est pas fini. Non, c'est une forceuse de ouf, elle. Ah putain, vous voulez aller à Fourrière? Moi, une forceuse de ouf, mais vous, mais attendez, vous êtes pas regardé. Ouais. Il est où l'autre loustic là? J'ai cru voir Parkinson, il vient pas? Ouais, Parkinson. Bah descends, on est dans la voiture là, viens. Il est débile ou quoi? Vas-y, il est là, voilà. Ah du bon, coup, allez. On est bon pour les villas ou pas du tout là? Bah on est bon. Bah si on a payé, c'est que c'est bon hein. Je me suis pas trompé. Bah non mais c'est oh, tu bon. Peux regarder. Ouais, c'est bon. Attends. Toi t'as la gueule normalement? Là, t'ouvres ton GPS. Non, si, c'est bon, j'ai celle de gauche. C'est bon. Oh putain, vous m'avez fait peur, oh là là, j'ai eu peur, oh là là. Attendez, parce que si elle est pas là... Non, non, j'ai rien à foutre, c'est pas un problème, eh oh. Ouais, c'est pas grave, j'ai perdu un taxi. Là, c'est déjà 100 balles d'économiser. Allez, vous allez, bonne soirée. Bisous, à bientôt. Bisous. Je vous ramène au service taxi, messieurs. Mais attendez, mais il y a une voiture, là. Ouais. Putain. Mais elle est con ou quoi? Je crois qu'elle a pas vu hein. Elle a des neurones en moins, c'est pas possible. Putain, la seule vie avec Laura, c'est 200 par jour. Ici, boss, on rentre tranquillement. Je vous dis à très bientôt.